Salut les amis, ici JoeBlack67 pour une nouvelle petite vidéo de nettoyage. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu ces vitres, ces fenêtres, porte-fenêtres plutôt, pour être exact. Comme on peut voir, ils sont pas très 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 propres. Et pour cela, je vais utiliser le Karcher, que le voici, SC4. Donc, comme vous avez déjà pu apercevoir, j'ai déjà fait des vidéos de nettoyage de sol avec ce Karcher. Donc, c'est un multi-usage de toute façon. Et aujourd'hui, pour ceci, je vais utiliser. Donc, je vais mettre un manche court. Donc, alors voilà, j'ai rajouté donc cette partie où j'ai la main. J'ai mis la petite brosse, la petite tissu là pour le nettoyage. Et cas où ça sera un peu plus dur, je mets celle-là pour faire le frottage. Donc voilà, donc je vais préparer tout ça. Je vais d'abord commencer par l'échauffer parce que j'ai déjà mis l'eau. Voilà, on va attendre 2-3 minutes. C'est parti, on y va. Donc voilà les amis, le travail est fait. Le temps, je peux pas vous dire, mais je pense que bon, j'ai perdu un peu de temps en faisant la démonstration. Je pense à peu près 20 minutes peut-être pour les deux fenêtres pour les bien faire. Et il y avait des taches à l'extérieur qui sont pas parties même avec la brosse, donc avec cette brosse là. Du coup, j'ai donc pour vous, si vous êtes plutôt pour le bien de la nature, j'ai utilisé du vinaigre. Sinon, vous pouvez prendre une pâte avec humide et un peu de bicarbonate dessus, puis frotter, laisser un petit moment et puis après refaire avec le Karcher. Donc, oui, vous avez peut-être la question, mais si les fenêtres sont plus hautes, il y a les rallonges. Donc, ça, c'est du rallonge. C'est normalement, comme je vous ai dit, un Karcher pour le sol, enfin, pour le sol, fenêtre, tout ce qui est vitre céramique et tout ça, on peut tout nettoyer. Et donc pour le sol, pour ceux qui n'en connaissent pas, on a ce modèle-là. Donc voilà, on met le tissu dessus, et puis c'est parti. À la limite, si vous avez des grandes fenêtres, oui, pourquoi pas, vous pouvez le mettre à la. Ça fait le même effet, hein, de toute façon. Et les trois petites buses, plus petites. Et c'est à peu près tout. Donc de toute façon, à la fin de la vidéo,
Je mets un lien pour les autres vidéos pour que vous puissiez voir un peu les différentes, voir la vidéo que j'ai fait, plusieurs tests sur des objets différents. Voilà, donc c'est tout. Donc je vous dis bon nettoyage et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez-les et si je peux répondre, s'ils sont intéressantes, je répondrai. Sur ce, à tout bientôt et puis, comme je dis avant, bon nettoyage. Allez, ciao, ciao, bye bye.